Et Onki et Tori dans Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je suis Captain Hawaï et voici Topinambour. Partons dès maintenant vers un voyage aux senteurs qui sentent. Aujourd'hui, nous avons décidé de te proposer un classique de la cuisine du terroir mexicain, la suiderade. Mais avant tout, une histoire. Un jour, un sanglier tomba dans une marmite remplie de cervoise. Comme il ne savait pas nager, il but la tasse. Ses mouvements de panique firent renverser le chaudron qui dévala la pente pour finir sa course sur un arbre. Le vieux chêne abritait un essaim d'abeilles qui tomba à son tour dans la marmite. Un ermite affamé qui passait par là mit le chaudron sur le feu. Le tenancier qui cherchait son breuvage fut attiré par l'odeur. S'ensuivit un festin à l'auberge. La suiderade était née. Topinambour, tu n'oublies pas quelque chose? Les ingrédients! Pour 4 personnes, un cagé de sanglier, merci à Brice, 1 litre de bière à double ou triple fermentation, 5 carottes, 2 oignons, 2 gousses d'ail, une branche de thym, 3 CAS de miel, le bol jaune, du sel et du poivre, et bien sûr, l'ingrédient secret. Voyons dès maintenant comment préparer tout cela. Découpez le sanglier en gros cubes. Faites revenir le sanglier dans une cocotte. Réservez la viande et profitez-en pour la singer, c'est-à-dire l'enrober de farine afin de lier la sauce en cours de cuisson. Émincez les oignons, puis les faire revenir dans la marmite avec le jus de cuisson de la viande. Épluchez et découpez les carottes. Chouata ! Ensuite, mettez tous les ingrédients dans la marmite. La viande, les carottes, l'ail, le thym, la bière. Et terminé par le miel. Passons maintenant à la dégustation. Oh mais oui, tu as raison Topinambour, ce n'est pas le plat que nous avons préparé. Peut-être y a-t-il un indice. Quel était donc l'ingrédient secret? La banane? Nous résoudrons tôt ou tard ce mystère. À la prochaine.